sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver votre guidance sur mon site de réservation. Le lien est juste en bas de cette vidéo, c'est le deuxième lien. Je vous demanderai de me laisser des j'aime, cliquez sur j'aime, you know, surtout si vous ne l'avez pas encore fait. Laissez-moi des commentaires, que ce soit des cœurs, des trèfles, des étoiles, tout est bienvenu. Mais si vous avez par contre des commentaires néfastes, négatifs, insultants, irrespectueux envers ma personne, vous pouvez les garder pour vous, je n'en ai pas vraiment besoin. Ok? Donc voilà, on va donc commencer, voyons voir ce qui se passe ici avec vous. Les lions. Angels, please give me a reading for my Leo, please. Angels, please give me a reading for my Leo, please. Okay, les lions. Ouh, les lions, plus c'est un bâton, vous les anges ici me parlent de célébrité. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais les anges ici me parlent de célébrité. C'est un peu comme si les gens commencent à entendre parler de vous. Les gens vous voient. Les gens veulent vous voir. Les gens veulent vous entendre. Il y a quelque chose ici qui est en rapport avec ça. Peut-être que vous passez à la télévision. À la télé. Ou d'autres sûrement même que vous êtes spirituel, divinatrice, pasteur, prophète, you know. C'est peut-être aussi ici un pasteur, un prophète qui est à la télé, sur les réseaux sociaux. Mais les anges ici me parlent de célébrité. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est aussi probable que concernant votre histoire amoureuse, votre situation amoureuse, vous êtes ici amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est célèbre, quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui travaille devant le public, fait des choses devant le public. Ok? Il y a ici un très grand intérêt que vous avez envers une personne. Now, pour cette partie dans vous, les anges aussi me parlent de réconciliation. So, il y a de fortes chances que vous et cette personne-là, vous ne parlez plus, vous ne communiquez plus. Ou encore, pour cette partie dans vous, vous avez décidé de laisser tomber l'amour pour vous concentrer sur votre travail, pour vous concentrer sur, sur vos affaires. Et si vous n'êtes même pas célèbre dans un certain sens, vous avez décidé de vous concentrer sur vos affaires parce que vous voulez amener vos affaires à une certaine excellence. D'accord? Vous voulez amener vos affaires à une certaine excellence. Vous voulez ici être reconnu par le public, reconnu par tout le monde, reconnu par vos patrons, vos employeurs, vos collaborateurs, que vous êtes le meilleur ou la meilleure. You know? Donc, vous avez ici décidé d'abandonner l'amour pour vous concentrer sur ça. Sur certaines parties d'entre vous, il y a donc ici cette séclusion que vous êtes en train d'avoir vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos ambitions, parce que vous voulez être le meilleur. Il est aussi probable que vous êtes en compétition avec quelqu'un, je sais pas. Vous êtes peut-être ici en compétition avec quelqu'un, vous essayez d'être en compétition avec quelqu'un, où il y a ici une compétition entre vous et votre flamme jumelle, vous et votre amour. Peut-être que tous les deux, vous êtes très indépendants financièrement et vous voulez montrer à l'un et à l'autre que vous pouvez y arriver sans l'un et sans l'autre. Ok. Mais pour certains, on a ici quelqu'un qui pratique la magie. On a ici quelqu'un qui pratique la magie, on a ici quelqu'un qui est dans l'art. Pour certains, peut-être aussi que c'est votre religion, vous êtes ici dans une religion traditionnelle, you know, mystique, somehow. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui pratique le vaudou. La dernière, je ne sais pas c'était quand, je crois que c'était il y a 5 ans, il y a 5 ans ou 4 ans, j'avais fait une vidéo où je parlais du vaudou. Et tout. Et moi, je ne connaissais pas vraiment. Je parlais du vaudou comme ça. Et je pensais que c'était la sorcellerie. Et il y a un ou une de mes abonnés qui est venu me dire, non, le vaudou, c'est carrément une pratique religion. Une pratique qui est une religion pour certains. Donc, voilà pourquoi, vous savez, on est dans un monde où il y a tellement de religions, tellement de choses. Quand tu ne connais pas, tu te demandes, ok? So, je peux dire vaudou aujourd'hui devant vous, chers téléspectateurs, dans votre tête, comme dans ma tête il y a 4-5 ans avant, on pensait que c'était la sorcellerie. Mais il y a des gens comme vous, you know, qui pratiquent cette
pratiquent là et qui disent que c'est une religion, c'est leur religion, d'accord? On a donc ici quelqu'un qui pratique le vaudou. Ok? But, pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas le cas, c'est que c'est plutôt vous. Vous avez peut-être ici certains dons, certaines choses. Vous avez ici peut-être certains rêves prémonitoires. Pour certains, vous êtes ici sur le point de vous rendre compte que vous pouvez imposer vos mains aux malades. On a ici quelqu'un qui a le don de guérir les malades. Oh! Ça, c'est ma dernière vidéo. Je suis fatiguée. Mon énergie vitale est à plat. Ok? So, pour certains, il est aussi probable que vous êtes ici dans une situation où on a votre mère qui fait des prières sur vous, des rituels sur vous. Peut-être aussi que vous avez ici votre mère qui essaye de prier pour vous de manière spirituelle pour que vous puissiez ici avoir une certaine abondance. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous êtes censé aller faire un bain spirituel quelque part. J'ai entendu Burkina, c'est peut-être un pays aussi qui est à l'extérieur. C'est pas Burkina, c'est un pays qui est à l'extérieur là-bas. Et j'ai l'impression que vous êtes censé aller faire un bain spirituel, un truc comme ça. Et puis depuis là, vous n'êtes pas allé faire. On a ici des anges qui disent que c'est le moment de faire, sinon il sera trop tard. Parce que je vois ici l'emplacement du soleil et de la lune. C'est un peu comme s'ils me disent, c'est votre dernière chance de faire ce bain-là. C'est peut-être un bain de protection, un bain de richesse. Je ne sais pas qui vous êtes là-bas. Ok? Alright. Pour une autre partie d'entre vous, à part le fait que vous êtes ici en train de passer dans une certaine ascension quand il s'agit de vos finances, de votre spiritualité et de vous-même en tant que terre, les anges ici me parlent encore une fois de célébrité. I don't even know who the fuck I'm talking about. Quelque chose qui est en rapport avec la célébrité. Puis c'est un matin, on voit aussi ici les anges qui me disent qu'une personne est sur le point de devenir célèbre du jour au lendemain. Tout d'un coup, tout le monde te connaît. Tout d'un coup, tout le monde parle de toi. Tout d'un coup, certaines choses sont en train de changer. Donc ça dépend, peut-être que vous êtes chanteur, musicien. Mais en tout cas, vous êtes célèbre. On a lion, scorpion, cancer. Pour certains, vous pouvez aussi être dans la mode. Peut-être aussi que c'est quelque chose que vous voulez faire. Vous avez toujours ici été intéressé à la mode dans un certain sens. Et pour une autre partie d'entre vous, je vous vois ici être invité à une fête. Quelle est cette fête-là? Quelque chose qui risque de se passer vers Halloween, donc. Quelque chose qui va se passer vers la fête d'Halloween. Pour une autre partie d'entre vous, de maintenant jusqu'à la fête d'Halloween, il y aura un grand changement dans votre célébrité. Tout le monde va vous connaître. It's crazy, man. I just gotta find a stalker. Pour certains, si vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui est célèbre, on a ici quelqu'un qui ne vous prête pas attention parce qu'on a ici quelqu'un qui est concentré sur son argent, concentré sur son business, concentré sur ses affaires. On a ici quelqu'un qui ne vous prête pas attention. Si vous espérez qu'une personne revienne vers vous, je ne pense pas, je ne sais pas. Je ne vois pas ici l'énergie de la personne revenir vers vous-même dans un certain sens. Peut-être que vous, vous désirez une réconciliation, mais c'est sûrement pas réciproque. Can't find a stalker. Yep. Oui, nos parties dans vous, on a aussi c'est quelque chose qui est en rapport avec une femme enceinte. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est poisson, dans un certain sens, d'accord? Quelqu'un qui prie, qui est poisson, something like that. Ou d'autres, peut-être aussi que vous voulez maintenant devenir célèbre. Encore, vous avez décidé d'ouvrir une page sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre, pour faire entendre vos prières, pour faire savoir au monde que vous guérissez les malades. Et on a ici quelque chose qui prend du jour au lendemain. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici une femme qui cherche à tomber enceinte ou qui... Yeah. Je vois ici quelqu'un qui cherche à tomber enceinte depuis et puis bon, ça ne marche pas. Tu cherches à tomber enceinte, ça ne marche pas. Il y a une femme que tu connais qui est une forte femme de prière. Il faut que cette femme-là impose les mains sur ton ventre et tu tomberas enceinte d'ici le 24, d'un mois en particulier. Ok?
Ma petite partie, je vois ici quelqu'un qui est très émotionnel quand il s'agit de ses entrailles. Je veux tomber enceinte. Donne-moi un enfant. OK? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui essaye de tomber enceinte de vous, mais vous n'êtes pas vraiment sûr si oui ou non vous voulez avoir un enfant avec une personne. Sûrement que vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui est dans la pharmacie. On a ici quelqu'un hier. Je vois ici un scorpion. On a ici quelqu'un avec qui vous sortez qui est peut-être pharmaciste, qui travaille à la pharmacie ou encore qui travaille dans la médecine. On a quelqu'un qui veut un enfant. On a l'autre qui n'est pas trop sûr. Je suis pas trop sûr que je veux te donner un enfant. Je suis pas trop sûr que je tombe enceinte. Something like that. Ou encore, c'est carrément votre copine qui vous dit et qui essaye de tomber enceinte et vous n'êtes pas vraiment sûr. Les anges ici me parlent aussi de malhonnêteté vis-à-vis de ce que vous lui dites. Il est probable que vous n'arrivez même pas à vraiment vociférer à cette personne-là que vous ne voulez pas avoir d'enfant et vous la laissez faire ce qu'elle veut. Attention. Pour une partie, vous risquez ici d'être invité dans une fête. Je vois ici quelqu'un qui veut vous inviter pour que vous puissiez rencontrer sa famille. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui sort avec une divinatrice, liseuse de tarot, divinatrice, something like that. C'est pas ça, elle est chamane, psychic. OK? Je vois ici quelqu'un qui veut vous présenter à sa famille, vous introduire à sa famille. Il y a quelque chose qui vient de se passer ici vers le mois d'octobre. On a entre le mois de juillet et le mois d'octobre. Il y a peut-être ici quelqu'un qui va revenir dans votre vie. I'm just gonna fight the moon card. Pour une autre partie, donc vous faites attention à quelque chose qui est en rapport avec un maquillage. Peut-être que vous êtes top model, something like that. Et on a ici des anges qui me disent que le maquillage que vous utilisez sur votre figure ne va pas avec votre peau. Il y a un problème de peau que vous risquez d'avoir ici au visage à cause d'un maquillage. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici les anges qui me parlent d'une incantation spirituelle qui a été faite. Et c'est maintenant que ça marche. Il y a une incantation spirituelle qui a été faite. Je ne sais pas si c'est par vous, c'est par qui, mais c'est maintenant que ça marche. Une incantation spirituelle qui a été faite la nuit, devant les étoiles et la lune, une prière qui a été faite. Vous voyez ici beaucoup de cancer, poisson, scorpion. Cancer, poisson, scorpion. Pour d'autres, attention, il y a peut-être ici une femme avec qui vous sortez qui fait de la magie sur vous. Vous êtes ici en couple avec elle parce qu'elle n'arrête pas de faire la magie sur vous. Mais peut-être que vous êtes trop envoûté pour comprendre. OK? Pour une partie d'entre vous, les anges ici aussi me parlent d'une amie, une meilleure amie. Pour certains, vous êtes ici sur le point de sortir avec quelqu'un qui est votre meilleur ami ou encore quelqu'un que vous considérez comme un ami, comme une amie. Quelqu'un qui est proche de vous. Je ne sais pas, c'est qu'un chien a à avoir à faire dans une histoire. Ou encore, pour d'autres, vous voulez peut-être ici utiliser un chien pour vous approcher ici d'une personne. Something like that. Pour d'autres, vous voulez peut-être ici offrir un chien à quelqu'un. I'm just gonna find the chariot. Quelque chose qui est en rapport avec Halloween. Halloween, des chocolats, des bonbons. The fuck? Chocolat, bonbons. C'est peut-être ici la manière dont vous avez rencontré une personne ou encore pour d'autres, peut-être qu'on a ici quelqu'un qui est noir, chocolat. I just gotta find the chariot. Vous voulez épouser cette personne. Vous voulez marier quelqu'un, vous voulez épouser quelqu'un, vous voulez rencontrer la famille de quelqu'un. Ou encore pour d'autres, on a ici quelqu'un qui veut vous faire rencontrer sa famille, quelque chose qui est en rapport avec la célébrité, être célèbre. Pour certains, peut-être aussi que vous avez fait un souhait. Vous souhaitez devenir célèbre parce que vous voulez sortir avec quelqu'un qui est célèbre. Et puis, bam, les anges ici, comment ça s'appelle? Réalise votre rêve, réalise vos souhaits. Ouh, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite de cette lecture. Comment ça s'appelle? Pour ceux qui voudraient avoir une lecture privée avec moi pour parler de votre vie, de votre avenir, de vos énergies, pour parler ici de votre situation amoureuse, de votre travail. Vous êtes perdu.
Ok, suicidaire même peut-être. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo pour pouvoir réserver une lecture avec moi. C'est encore plus facile si vous cliquez sur les émoticônes qui s'affichent juste là à ma gauche pour réserver aussi votre guidance avec moi. Donc voilà, c'était moi. Portez-vous bien. Bisous, bye.